Bonjour tout le monde. C'est la veille de Noël. Et ces lumières sont prêtes. Wouhou! Perfecto, Gecko. C'est merveilleux de passer la noche buena avec vous et les mécanos. Faites un vœu. C'est une étoile filante. Je ne suis pas sûre que ce soit... Oh non, c'est le Père Noël. C'est la dernière fois que je vais chez Weasel Wheels pour des réparations. Père Noël, tu vas bien? Je vais bien, mais mon traîneau est loin d'être en bon état. Ces cadeaux doivent être livrés avant le lever du jour. Il nous faudra remplacer le moteur au garage. Mais avec l'aide d'Elena, nous pourrons remettre le traîneau en marche et livrer les cadeaux en chemin. Prenez vos outils et réparons. Et pendant qu'on répare, chantons cette comptine. Tout d'abord, remorquez-le à l'intérieur. Bientôt, le traîneau glissera et sera bien meilleur. Ses skis sont endommagés et fissurés. Un nouveau jeu, il sera prêt à glisser. Elena a-t-elle des skis supplémentaires comme cela? J'en ai par ici. Merci, Kat. Thor et Boulogne les skis juste là. Et écoute bien, car on conduira. Maintenant, Elena, s'il te plaît, emmène-nous livrer ces cadeaux pour Noël avant tout. Superbe! Merci, Gecko. Il ne te manque qu'une chose. Oh. Merci, Père Noël. Oh. Oh, oh, oh. Oh! Dépêche-toi, Kat, c'est presque le matin. Oh! 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 Bien joué, les joyeux mécanos. On a sauvé Noël. Au garage. Eh bien, Père Noël, on dirait qu'il reste un dernier cadeau à offrir. Vraiment? Avons-nous oublié quelqu'un? C'est ton cadeau! Joyeux Noël, Père Noël! Oh, merci, Gecko! Tu es bien un vrai ami! Joyeux Noël! Jusqu'à la prochaine fois! Oh, oh, oh! Voilà, c'est presque fini, Fiona. Voici ta nouvelle échelle. Oh. Hein? Kat, fais attention! Hola, Gecko! Moi et Elena, on s'entraîne à faire des loopings! Regarde un peu! Wouhou! Essayons d'en faire un gros! Oh, attention, Kat! Oh non! Attention, ça tombe! Oh, est-ce que ça va, Rouge? Gecko! Je ne peux pas atterrir sans les patins d'Elena! Oh non! Vite, les mécaniciens! On doit l'aider! Va me chercher ses roues, s'il te plaît! Ah, juste un peu plus près. Ah. J'essaye, j'essaye. Ah. Ah. Ah, non. Accroche-toi, Gecko. Ah. Ah. Bleu, prends les patins. J'ai une bonne idée. Maintenant, Bleu! Ouf! Un autre atterrissage heureux!
merci pour ton aide, Gecko. Pas de problème, Kat. Ça fait partie du service. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire adieu, fantôme. Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous. Au revoir. Vous avez l'air effrayant, les mécaniciens. Vous êtes tous prêts pour Halloween. Même Tilly se joint à la fête. Qu'est-ce qui se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Les monstres n'existent pas. Hello! Hello? Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière. Oh, mon cher Max, il te faut un nettoyage d'Halloween. On va te mettre dans la station de lavage. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas. Quand tu es prêt, Max. Voilà, Max. Tu ne fais plus peur maintenant. Joyeux Halloween à tous! Peux-tu me passer une clé à molette bleue? Ce n'est pas une clé à molette bleue, c'est une cuillère en bois. On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbur T. Weasel. Oh! Comment je l'éteins? Oh! 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 Oh!
Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques. Tout va bien, Gecko. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulon. Bleu, arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal. Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, maman recyclage. Je dois couper le courant, mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ah, ça ne va pas marcher. Ouch. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, super. On se revoit bientôt au garage de Gecko pour de nouvelles aventures. Au revoir. Nom d'un tournevis, les mécaniciens. Cette porte est vraiment coincée. C'était toi, Tilly? Regardez, c'est Trevor, le tracteur. Oh, on dirait que tu as besoin d'un coup de main. Suis-moi. Nom d'un petit boulon. Je vois déjà le problème. Nous devons réparer tes rouages. Bien. Il nous faut de l'huile pour engrenage et... la clé à molette super solide de grand-mère Gecko. Attention, les mécaniciens! Ah, il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette! Ah, voilà, c'est bien mieux! Ce sont des rouages de luxe! Essaye maintenant, Trevor! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes! Peut-être que Trevor pourrait utiliser sa force pour nous aider! Tirez maintenant, les amis! Hourra! Super travail, l'équipe! À très bientôt, Trevor! Au revoir! Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider... beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là! On dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons! Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite! En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... grand-mère! Voilà mon petit Geki, avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. Tu t'es exercé, Geki? J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher.
Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez, voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir. Oh, merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion. Il est temps de se rafraîchir. Mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Ah. Oh. Tu es bien matinal, Eric.
Ouh. Les mécaniciens! Eric est impatient de faire ses réparations. Allez, les têtes endormies! Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit. Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Waouh! Tu as raison, Eric. Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'ils soient si faibles. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et mat. Ouais! Ok, les mécaniciens. Vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail. Hihi, fini, Eric. On se revoit très bientôt au garage de Gecko. Bonjour à tous, je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion! On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Bonjour à tous. On se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes. Oh, j'adore ta veste, grand-mère. Merci, Geki. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont mes mini-métallos? Je veux voir leurs costumes.
Une banane brillante. Oh, bleu, mon cœur. Tu n'as pas à être timide, Vert. Tu es superbe. Attendez, où est Rouge? Allez, tout le monde, commençons ce spectacle. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? C'est le design de ton costume? C'est génial! Vraiment! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fier de ce que tu es. Et je serai toujours fier de toi. Oh ouais! Démarrez vos moteurs! Allez, Rouge, tu peux le faire. Je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue. Regardez les mécaniciens, voilà Cat qui arrive. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha! Tu as réussi, Elena. Bonjour, Cat. Bonjour, Gecko. Regarde, Rouge. Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hey! Nom d'un petit chien! Ils partent à la dérive! Allez vite, Tilly la dépanneuse! Ne vous inquiétez pas, les jumeaux! On va vous sauver! Attrape, Carrie! Oui! Kat, tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo. Vamos, Elena. Je t'ai. Appuie sur le bouton rouge. On a réussi. Ah. Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Gecko? Oups, lo siento. Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige après tout. Ou plutôt un gecko des neiges. Et voilà, Eric. Ça va mieux maintenant? Oh, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck. Il ne devrait pas jouer ici. Les chantiers sont dangereux. Hein? Regarde le désordre qu'il provoque. Non, Max est en panne de carburant. Il faut le sortir avant que le béton ne sèche. Vite, les mécaniciens, allez chercher le carburant de secours. Oh mon Dieu, ce béton sera dur dans moins d'une minute. Ah! Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Oh, Eric a fait un pont.
Oh, 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 wow. Le béton est presque dur. Allez, Max, allez. On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je suis en train de tester Miles, la moto. Et son accélérateur reste coincé. Donc il est difficile de ralentir. Waouh, stop. Oh, il était temps qu'on répare ça. Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage. Allez, les petits. Oupsie. Je vais t'aider à le trouver, grand-mère. La radio est toujours cassée. Hein? Ne t'inquiète pas. Gecko va te soigner. Oh, miaou, waouh! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto. Wouhou! Andale! Arriva, arriva! Et voilà, Miles. Wouhou! Grand-mère, tu auras besoin de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Qui est là, ma moto? Ah, oh, l'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours! Kat! Tu vas bien? Gecko, cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter! Parce qu'on est encore en train de la réparer! J'aurais dû demander d'abord! Attends, qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer! J'ai un plan! Grand-mère, fais-moi descendre! Oh! Hein? Wow! Oh! Oh, 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 ah, oh. Il est temps d'aider nos amis dans le besoin. Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles. Oh, 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 oh. Oh. Dépêche-toi, Gecko. Je n'aime pas du tout l'eau. Freine maintenant, Kat. Oh. Oh. Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Gecko. Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère. Waouh! Tu dois être grand-mère Gecko. Je m'appelle Catalina Felina, mais mes amis m'appellent Kat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander. Je suis là. Tu as la meilleure grand-mère du monde. Merci, ma chère. Elle me plaît, Gecky. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Da, 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 di, do. Bon travail, les mécaniciens. Hein? Nom d'un tournevis. On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez, c'est Max, le Monster Truck. Et sa petite sœur, Molly. Oh. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max. Bonjour, Molly. Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Oh,
Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh, pas si vite. Des écrous et des boulons, j'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail les mécaniciens. Tout le monde s'amuse enfin. Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh, oh bleu, je sais que la tempête est effrayante, mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh, oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention! Attention! Attention les mécaniciens! Nous devons travailler ensemble! Aïe! Ouh! Ouf! Merci, Vert! Oh, oh mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Merci, Vert. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert. Oh, quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être?
Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey, c'est un sacré coup de tournevis. Comment ça de ma faute? Ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Venez les mécaniciens, aujourd'hui on a la visite de Fiona. Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, Monsieur Weasel. Je suis Gecko. Ah, voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc, on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh, ciel! Elle n'a pas l'air bien! Viens donc, Fiona! On va regarder ça! Voilà le problème! Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile! On a réparé le problème correctement! Maintenant, Fiona roule sans bulle! Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Berk! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Voilà, Eric! Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Thank you.
Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Mais... il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée! Essayez maintenant, les mécaniciens! Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens! Bonjour à tous! Aujourd'hui est un jour très important. C'est le jour du recyclage. Oh, le jour des poubelles, c'est... poubelle. Oh, bonjour, grenouille. Pourquoi avoir 5 poubelles quand on peut en avoir une? Ah, voilà Maman Recyclage qui vient tout collecter. Maman Recyclage! Attention! Nom d'un tournevis qui tourne! Pauvre maman! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! On va vous remettre sur vos roues! Écrou et boulon. Le bras de préhension de maman est plié. Et elle est toute rayée aussi. Nous avons beaucoup à faire, les mécaniciens. Prenez vos outils et chantez cette comptine. Au garage de Gecko, c'est l'heure des réparations. Ton bras de préhension est tout plié. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Sous la chaleur, le métal va se plier. Et cette partie de notre ami sera réparée. Fraîche, tu seras comme neuf une fois sèche. Oh, aidez-moi! Toutes ces sales ordures sont de retour! Écrou et boulon! Monsieur Weasel est piégé par ses propres déchets. Je ne pense pas que Monsieur Weasel sache comment recycler. Montrons-lui comment faire. Allez, allez, les mécaniciens! Vous voyez, Monsieur Weasel? Recycler peut être amusant. Eh bien, tu n'es pas très doué pour ça. Tu en as raté une. C'est déjà beaucoup trop d'efforts pour moi. Oh, vieille soupe. Merci, maman. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester.
Comme j'ai mis un ressort dans les criques, je pense que tu vas le trouver un peu rebondissant. Ah! Oh! 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 Les mécaniciens! Oh! 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 Ow. Oh! Ow. Ah. Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Berk! Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompiers, est en route. Oh non! Maman camion et bébé camion font une course. Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona. Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte. Allez, les mécaniciens, il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça. Il nous faut un son pimpon bien fort. C'est fait. Fais un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un pimpon. C'était un pimpon. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune. Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un pimpon bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venue au garage de Gecko. C'est le camion à Ben Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta Ben Dylan? Allez, les mécaniciens. Je vois. Ton camion à Ben continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider. Pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Oh. Hein? Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh. C'est donc toi qui as rebranché le câble.
Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan, fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! Bonjour tout le monde, c'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention Fiona, ne roule pas sur le sable mouillé. Vite, la marée monte. Oh. On va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert. Je sais que tu aimes tes ballons. Mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus. C'est super d'avoir partagé, Vert. Et joyeux anniversaire. Hurrah! Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Vert? Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget. Tenez-vous prêts, les mécaniciens. Vert? Hola, Gecko! Ah, salut, Kat! Haha, voici le moment d'installer un kit extra spécial. Allez-y, les mécaniciens. Je peux lui parler, Gecko? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corazon? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans Vert. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat. Allez, allez, Elena, l'hélicoptère. À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh, oh, beau travail, Kat. C'était incroyable. Tout le mérite en revient à Vert. Oh, oh, bien joué, Vert.